Alors voici les deux boutons auxiliaires qui commandent ce servomoteur. Donc là ils sont en, que je dise pas de bêtises, en permanent. C'est-à-dire quand j'appuie dessus, le servo il bouge, je rappuie, il s'arrête. J'appuie sur l'autre, il repart dans l'autre sens, je rappuie, il s'arrête. Maintenant, je vais configurer pour que ça soit en momentané. Donc, j'appuie sur le mode là. J'ai la page pour configurer. Et j'appuie sur les boutons auxiliaires que je veux modifier en fait. Donc, mettons, je veux modifier le premier. Voilà, tu vois, la configuration, on voit mal, mais la configuration. Attends, je vais essayer d'éclairer là. Voilà. La configuration du premier, tu vois, elle change. Et je fais pareil pour le deuxième. Je dois me remettre sur l'autre page pour que ça fonctionne. Ou sortir du menu automatiquement, ça me verra, c'est pas grave. C'était pour éviter d'utiliser plus de boutons. Maintenant, quand j'appuie, je reste appuyé. Ça bouge, tu vois. Le cerveau bouge. Voilà, je relâche l'interrupteur. Je vais essayer de le faire large. Clac, ça s'arrête. Voilà. Je fais pour l'autre, je relâche, clac, ça s'arrête. Voilà.